Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Déjà vertement critiqué, le SAMU se retrouve au centre d'une nouvelle polémique. Cette fois, ce sont des policiers qui accusent ce service d'urgence de non-assistance à personne en danger. Les agents ont dû porter un homme grièvement blessé sur le dos. Détail dans un instant. Triste été pour les prestataires de mariage avec 95% d'annulation. Wedding planner, traiteur et propriétaire de salle de réception affichent grise mine. Ils parlent d'un manque à gagner de plusieurs millions de roupies. Un lockdown n'est pas d'actualité. Le Premier ministre est catégorique. Un confinement sera désastreux sur l'économie. Pendant ce temps, le leader du MMM accuse le Premier ministre de fuir devant ses responsabilités et il plaide pour l'unification des partis de l'opposition. À la une également, la France a répondu positivement à l'aide urgente de Maurice. Le CGS Barracuda a débarqué ce samedi à Port-Louis une première cargaison d'oxygène en provenance de l'île de La Réunion. Entre-temps, des Réunionnais hésitent à venir séjourner à Maurice. Et puis Sting signe son retour avec un 15e album solo, The Bridge. Le SAMU se retrouve à nouveau sous le feu des critiques. Cette fois, c'est la police elle-même qui porte plainte contre ce service d'urgence censé intervenir en cas de problèmes médicaux. Sauf qu'hier, le SAMU ne s'est pas rendu sur place pour porter secours à un homme qui gisait dans une mare de sang à Quatrebonne. Ashna Nekchedi, bonsoir. Bonsoir. C'est le police constable Choté de la Western Division qui a consigné une déposition pour un cas allégué de non-assistance à personne en danger contre le SAMU. Failing to give assistance to person in danger of death. Le SAMU fait effectivement l'objet d'une plainte pour n'avoir pas porté secours à un individu qui aurait pu y laisser la vie. Le constable Choté raconte dans sa déposition s'être rendu à la rue Saint-Jean à Quatrebonne à 1h05 du matin samedi suite à un appel concernant un homme en détresse. Accompagné du constable Bidessi, le policier arrive sur place et découvre un homme sur les marches d'un escalier à proximité du parking d'un restaurant très connu de la région. L'individu inconscient était dans une position étrange, dans une mare de sang. Il saignait de la tête et du nez. Immédiatement, le police constable dit avoir contacté son collègue policier, le PC Dipou, afin qu'il sollicite l'aide du SAMU. Mais au bout de 15 minutes, le SAMU n'avait toujours pas donné signe de vie. La situation devenait critique car des informations obtenues sur place indiquaient que l'homme en question pourrait avoir subi d'autres blessures au dos et à la tête car il avait fait une chute. Quelques minutes plus tard, le constable Dipou le contacte de nouveau et l'informe que le SAMU a refusé catégoriquement de venir sur place, et cela malgré le fait que la vie du blessé était en danger. Le policier Choté affirmera plus loin dans sa plainte que leur propre santé était également à risque car ils n'avaient pas d'équipement nécessaire. Malgré cela, ils n'ont pas eu d'autre choix que de transporter l'individu en dévalant les marches de l'escalier. Finalement, ils l'ont pu conduire à l'hôpital et ont remis le blessé au charge nurse sur place. Pourtant, en retournant au poste de police de Quatrebonne, les deux policiers ont été surpris de voir une ambulance du SAMU avec chauffeur garé sur le parking de l'hôpital. Dans sa plainte, le constable Choté dit ne pas comprendre l'attitude du SAMU qui est censé sauver des vies. Cette négligence aurait pu coûter la vie à cette personne, mais aussi porter préjudice à la police en cas de décès. Et c'est pourquoi le policier réclame une enquête sur les raisons qui ont motivé le SAMU à refuser cette intervention. Merci Ashna pour ces précisions. Les mariages restreints à 50 personnes, une restriction qui donne quelques sueurs froides aux futurs mariés, mais aussi aux prestataires qui tentent tant bien que mal de revoir leur organisation. Certains parlent d'un coup dur pour leur business avec 95% d'annulation, soit un manque à gagner de plusieurs millions de roupies. Une nouvelle année compliquée pour ces prestataires de mariage. Nishan Pillay. Coup dur pour MKS Multipurpose Hall. 95% de ses réservations ont été annulées en une semaine. Sa directrice Ina Sijadar parle d'un manque à gagner de plusieurs millions de roupies.
من besoin obligé باسم تعريف que dit mon n'a pas besoin d'une la sala pour 3 jours maintenant il peut faire toutes les 3 cérémonies dans un jour من besoin باسم تعريف من faire un petit package pour qu'il nous capable accommoder 50 personnes in one day que nous capable gagner que nous capable faire ce catering bon at least nous gagne quelque chose. Une restriction au goût amer pour VH Ritu, vice-président de la Wedding Halls Association, car des futurs mariés ont principalement formulé des demandes de remboursement. Le refund, c'est un manque à gagner pour nous, business peut perfecter. Quand on a besoin de clients, on peut faire ça, les 50 invités, je peux exiger de gagner un discount. Il y a plusieurs cas qui m'ont besoin de clients, peut assister à moi quand mon business fait lit. Comme ça, nous pouvons souffrir. Business pas peut rouler pour mon business. Restreindre les mariages à 50 personnes, une mesure illogique pour Sadvi, CEO du domaine Ritz. On a une salle qui va convaincre jusqu'à 600 personnes, aujourd'hui on peut retrouver, on peut recevoir 50 personnes. Malgré que la ventilation peut bien passer, nous avons une distanciation sociale aussi qui peut capable être respectée, tout comme un restaurant et un hôtel. Nous ne pouvons pas respecter les mesures sanitaires, mais nous permet que 50 personnes. Maintenant, 50 personnes, le problème que tu as, c'est que mon client peut faire une annulation quand je tente qu'il y a 50 personnes. Je n'ai pas envie d'aller de l'avant avec le même nombre de jours que si je peux faire cette fonction avant. Je peux avoir un discount, je peux avoir un refund qui peut faire que ma salle peut souffrir. Avec 100 personnes, il est encore manageable pour ma salle pour capable continuer ce business. Mais là, il y a beaucoup de salle que tu es dans un loan, je ne suis pas capable de rembourser le loan parce que c'est énormément à gagner. Alors, 50 personnes, c'est vraiment une restriction qui n'est pas adaptée pour tout ma salle. Moi, je trouve les meilleurs qui nous mettent un mesure de sanitaire, c'est qu'il est beaucoup plus adapté à ma salle par rapport à la superficie et ventilation qui est dans la salle, tout en respectant les mesures sanitaires que l'hôtel et le restaurant aussi peuvent respecter. Véritable casse-tête pour les prestataires du service qui doivent jongler entre report, annulation ou remboursement en ces temps de pandémie, alors que pour les futurs mariés, cette restriction joue les troubles fêtes. La Covid-19 ne faiblit pas, 147 nouveaux cas recensés durant ces dernières 24 heures, 16 patients ont été admis à l'hôpital ENT et 47 dans les hôpitaux régionaux, chiffre fourni par le ministère de la Santé cet après-midi. Un nouveau lockdown n'est pas un jeu. Le Premier ministre a été catégorique cet après-midi. Un confinement sera désastreux pour l'économie. Le secteur touristique, par exemple, représente une source de revenus pour des milliers de Mauriciens. Pravin Jugnauth a vivement critiqué une partie de l'opposition, notamment Xavier Luc Duval, pour avoir brandi la lettre du ministère de la Santé sollicitant l'aide urgente de l'île de la Réunion pour l'approvisionnement en oxygène. Concernant la situation de la Covid-19, le chef du gouvernement dit ne pas savoir si Maurice a déjà atteint le pic épidémique. Il a participé au dévoilement d'une stèle en mémoire à la policière Dimple Ragout au Beauvallon Mall. Le lockdown n'est pas une badinale, ça. Il nous a fait extrêmement sérieux. Le lockdown nous a fait bien attention parce que nous avons l'économie. Et donc, comme il y a des gens qui peuvent gagner la vie dans l'activité économique. Et moi, je dis ça surtout pour le secteur touristique. Pas seulement pour le secteur touristique, mais pour tout le secteur. Valéa Dizou, je ne suis pas d'accord du tout qu'il nous besoin de mettre un lockdown. Ça peut faire beaucoup d'ito right, à nos pays. Mais nous, comme un gouvernement, nous veillons à ce qu'il nous garde un certain équilibre, activité économique, un côté, mais aussi, bien sûr, la santé publique, la santé de tout le monde qui est au maximum capable de protéger. Donc selon vous, le pire nous peut vivre, le pic nous peut vivre ou bien nous pouvons encore toucher le pic? Difficile pour me dire parce que c'est une affaire qui n'est pas prévisible. Oui. 10 morts nous tiennent en 2020, pas tiennent en vaccin. 2021, nous n'arrivons presque 300 morts. Qui pas peut mort, c'est pour qu'ils touchent un mort là et l'autorité nous trouve, ce que nous peut constater. Est-ce que nous avons un service de santé dépassé par les événements ou bien une restriction n'est pas assez sévère? Non, encore une fois, je voudrais dire, ça quand prend la peine pour m'expliquer. Nous sommes capables de mettre restrictions, mais je dire, dans, par exemple, dans un cas, quand nous avons besoin, ça peut mettre une restriction plus sévère encore. Parce qu'il y en a des gens, malheureusement, ne pas respecter même restrictions là. Mais si nous continuons comme ça, mais c'est évident qui peut gagner plus beaucoup du monde contaminé. Vous, service de santé, par exemple? Non, il n'est pas lourd, le service de santé. Au contraire,
Moi, je veux saluer tout ce personnel de la santé qui peut travailler d'arrache-pied. Hein. Moi, je veux nous reconnaître, nous peut travailler dur, nous peut travailler d'arrache-pied. Et me saluer le travail que le ministre Jagatpal peut faire. Moi, je réitère entièrement ma confiance dans le ministre Jagatpal. Nous n'avons pas une situation que si pas une manque de lit ou bien que l'hôpital est débordé. Comment une route fait quoi, hein? Ça, moi, tout ça, franchement, révoltant. Quand vient dire des affaires comme ça qui n'est pas vrai. Si Pravin Jugnauth n'a pas épargné Xavier Luc Duval et Paul Béranger, il apprécie les bons mots de Navin Amgoulam à son égard. Paul Béranger peut dire qu'on peut sauver aux responsabilités grand matin. Hier, Xavier Duval dit qu'on peut sauver pour Lead the Nation. On va penser, par exemple, l'autre, c'est qu'ils peuvent dire que vous appelez souvent adressé à la population vous reconnaît tout. Moi, je dis aux gens qui, tant qu'ils donnent moi sa responsabilité là, jamais dans le passé et jamais à l'avenir aussi, je peux sauver de mes responsabilités. Je peux assumer pleinement. En mon âme et conscience, je peux assumer. Et c'est surtout. Bon, les Xavier Duval causé, c'est qu'il l'a causé. Mais c'est surtout pas Paul Béranger qui pouvait me dire moi, je ne peux pas assumer mes responsabilités. Je ne peux pas croire Yann Dimoun, lui en particulier, qui a donné les sons. Nos responsabilités, nos. Plus que responsabilités, nos principes. Je crois dernier du monde qui a venu donner les sauts. Navin Amgoulam a mal conseillé hier au Radio Plus. Il pensait au mal conseillé. Seulement, au moins, l'India m'a apprécié, l'India qui m'a fait faire mon travail. Et moi, j'ai sa volonté pour faire mon travail là. Donc, il n'est pas correct. C'est que l'India qui m'a mal conseillé. Vous êtes dépolitisé High Level Committee parce que c'est ça. Sans vous d'accord, vous êtes dépolitisé tout. Pas, regardez, High Level Committee, il n'est pas politisé ça. Mon cas, il y a où une affaire. Dans High Level Committee, tout ce qui nous discutait, nous pas cause, nous n'avons rien à faire politique. Nous cause le virus, nous cause ban traitement, nous cause comment vous faire pour gagner médicaments. Tout ce qui nous causait, c'est qui manière pour parer à ça. Pandémie là. Docteur Amgoulam, j'ai qu'à donner un coup de main sur mon contact, vous pensez pour contacter lui? Ben, s'il est capable de donner un coup de main, s'il y a un contact, lui voulait faire une proposition, moi toujours ouvert, et pas ça lui, à tout du monde, même du monde qui m'a critiqué. Paul Béranger, ça veut dire. Oui, si j'étais dans une proposition, moi ouvert, moi là, moi à l'écoute. Ou même qu'il faisait lancer la table ronde là, un comité, monsieur le Premier ministre. Nous pas combien la table nous pouvons faire. Nous besoin d'Asie et nous besoin d'une collaboration tout du monde. Faut pas du monde à le faire politique, le malheur les autres du monde, ça qui pas bizarre. Paul Béranger tire à boulet rouge sur le Premier ministre. Il fuit ses responsabilités selon le leader des Mauves. Face à la presse ce matin, il a critiqué Pravin Jugnauth pour n'avoir pas répondu à la private notice question du leader de l'opposition au Parlement hier et d'avoir désigné le ministre de la Santé pour le faire. Pourtant, cette question qui portait sur le nombre de décès et la situation de la Covid-19 en général était très importante selon lui. Il qualifie cela de lâcheté. Fin pose une question au Premier ministre, étant donné le nombre de mots qui PNA, et Poudimanli, en tant que Premier ministre, quelles nouvelles mesures les propose pour prendre. C'est une lâcheté de passer ça à Jagatpal, surtout à Jagatpal, pire qu'ils avaient hier. Mais le Premier ministre, il fuit devant sa responsabilité. Mais dans l'intervalle, incompétence peut continuer. Nous connaissons qui est arrivé quand tu fais un petit à l'école, au moment que le acting prime minister peut se paquer dans le Parlement, la ministre te ferme toute l'école pour dire que dans l'école, pas vous fermer, et puis n'a aucune raison de fermer. Hein? Au même moment, la ministre de l'Éducation te fait ferme tout ban l'école. Mais là, ça cafouillage, l'eau 50 ou bien 10 moun dans ban l'église, dans ban fonction religieuse, inacceptable. Sa qualité, l'incompétence, là, faire du monde, sa quantité de tracas, là, sa quantité de problèmes, là. Mais bien, arrêtez, une fois pour toutes, avec notre bonne incompétence à répétition.
Paul Béranger a aussi commenté la situation politique. Il affirme être en communication directe avec le leader du Parti travailliste, Namir Amgoulam, et se dit en faveur d'une réunification des partis de l'opposition. Namir Amgoulam, leader du Parti travailliste, ancien Premier ministre, fait une très bonne déclaration hier, l'ON Radio, nous prend note de ce qu'il vient de dire. Mais peine à rien de changer en ce qui concerne l'espoir, la plateforme de l'espoir. Peine à rien de changer. Nous toujours en faveur de l'unité de l'opposition, mais pas à n'importe quelle condition. Et moi, ajouter que l'espoir, moi-même, Xavier Duval, nous en contact directement avec Navin Ramgoulam et le Parti travailliste. Je vous retrouve après la pause. Plus d'une centaine de Rodriguais ont manifesté de Bélascar à Port-Mathurin ce samedi. Elles réclament que les autorités imposent une quarantaine de 14 jours à Rodrigues. Vous le savez, les vols commerciaux vers Rodrigues ont été suspendus jusqu'au 30 novembre. Tico Robertson, du mouvement citoyen anti-Covid, réclame que le coût de la quarantaine des voyageurs soit payé par l'État. Écoutez. Ce droit à la santé pour qu'ils aient quarantaine-là. Payé par l'État-providence. Parce que des roupies peuvent tirer nos sacs litres, les 100 sacs litres diesel qui peuvent vendre nos tout feeling entier Maurice, entier Rodrigue. Si qui litres l'essence consommateur servi par jour, si qui des roupies ramassées, si qui millions l'hiver, avec ça millions là, prends là-dedans pour sauf Rodrigue contre Covid pour payer sa quarantaine là, pour garder nos pays Covid free, Covid safe. Je vous le disais au sommet, la France a répondu rapidement à la demande d'aide urgente de Maurice. Le CGS Barracuda a débarqué ce samedi à Port-Louis une première cargaison d'oxygène en provenance de l'île de la Réunion. Oxygène destiné au traitement des patients atteints de la Covid-19. Il s'agit de la première d'une série de 7 rotations prévues entre Maurice et l'île de la Réunion. 7 réservoirs d'oxygène au total seront acheminés à Maurice. Et c'est le consul honoraire de Maurice à La Réunion, Younous Rabat, qui supervise l'opération à la demande de la préfecture de La Réunion. En tant que consul honoraire de la République de Maurice, j'ai été informé par la préfecture et l'île Maurice comme quoi il y aurait le Barracuda qui devait organiser une rotation pour justifier exactement des demandes que Maurice avait besoin. À l'heure où je vous parle, effectivement, la première rotation a eu lieu. Moi, j'étais juste accompagnateur. Je dis bien, j'ai accompagné parce que je représente quand même le gouvernement de Maurice. Je ne fais qu'un accompagnement. La préfecture m'a aussi interpellé et je leur ai facilité la situation dans la mesure où la première rotation a eu effet sans problème. Maintenant, en ce qui concerne les autres rotations, on est en train de réfléchir pour Air Liquide qui doit disposer du stock. Normalement, c'est possible et donc il y aura d'autres rotations.
Avec l'explosion des cas de la Covid-19 et la présence du variant Delta dans la communauté locale, des Réunionnais hésitent à venir séjourner à Maurice. D'ailleurs, Maurice a été classé en zone orange par le gouvernement français et la préfecture de la Réunion conseille aux Réunionnais de limiter leurs déplacements à l'étranger. Écoutez ces quelques témoignages recueillis par notre confrère l'info.re. J'aimerais y aller effectivement, parce que ça fait 2-3 ans que je n'y suis pas allée. Par contre, avec les nouvelles mesures sanitaires, ça me coupe un peu l'herbe sous le pied. Je n'ai pas envie de partir à Maurice. J'ai été une fois tous les ans. Mais alors, depuis le confinement, là, on n'a plus parti par rapport à ça. Alors, on l'a mis à temps. Là-bas, il y a le microbe, il y a plein de trucs. On entend l'actualité, donc c'est pas agréable là-bas, quoi. J'ai beaucoup de médicaments, donc je ne peux pas y aller. Tout à fait autre chose à présent, bientôt un an depuis que la policière Dimple Raghu a été mortellement renversée par deux présumés trafiquants de drogue synthétique en fuite lors d'une opération de livraison contrôlée à Beauvallon. En hommage à cette policière de 38 ans décédée en pleine mission, une stèle en sa mémoire a été dévoilée cet après-midi en présence du Premier ministre, le commissaire de police par intérim. Une cérémonie à laquelle les sœurs de la défunte ont participé. C'est après un an qu'ils ne veulent mettre le pied ici, ils ne veulent pas venir du tout, parce que c'est difficile pour nous passer, très difficile. Même jusqu'à aujourd'hui, donc on peut vivre le même problème et nous toujours manque, nous c'est beaucoup. Tout le temps lié avec dévotion, tout le temps ce travail qui est avant tout. Et nous comptons nous remercier la police, nous remercier de tout, Ascensia, qu'ils ont encore pensé, ils ont encore là, ils ont encore fait valeur, tout ben, nous sentons-nous honorés. Après un an, ils ont encore fait penser. Également dans l'actualité, le Premier ministre Pravin Jugnauth présentera prochainement au Parlement des amendements à l'Independent Broadcasting Authority Act. Les amendements donneront le pouvoir à l'IBA d'imposer des pénalités administratives d'un montant maximum de 500 000 roupies aux opérateurs de radio. L'IBA est le régulateur des radios et de la télévision à Maurice. Par ailleurs, les permis qu'elle octroie devront être renouvelés chaque année au lieu de tous les 3 ans actuellement. Les amendements sont approuvés. Les amendements doivent également permettre à l'IBA de se rapprocher de l'Information and Communication Authority, dont le rôle est de réguler les technologies de l'information et de la communication. Musique pour terminer cette édition, Sting de retour avec un nouvel album. L'ancien leader du groupe The Police a dévoilé hier The Bridge, un album introspectif écrit en pleine pandémie. The Bridge tente au travers de 13 titres d'exprimer les doutes et les émotions ressenties par Sting durant cette année si étrange. Ainsi, le chanteur aborde différents sujets qui l'ont touché, tels que le Brexit, la pandémie, mais aussi le populisme, sans oublier l'amour. C'est arrivé comme une surprise, explique le chanteur britannique et citoyen du monde. Toutes ces personnes sur lesquelles j'écris sont en transition. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne soirée et prenez soin de vous. IFI Plus ou Nouveau Brossia Digital. Top top promo, belle seul et joli cadeau, Zispou. Dépi ou portable ou tablette ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. En seule l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.